Des membres du groupe Wagner et des civils affluaient jeudi devant un mémorial improvisé dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, pour rendre hommage à Evgeny Prigogine, le patron de la milice russe mort dans le crash d'un avion. Selon les autorités, son avion s'est écrasé au nord-est de Moscou le 23 août dernier, sans laisser de survivants sur les 10 personnes à bord. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes, qualifiant l'accident de tragédie. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour infraction aux règles de la sécurité aérienne. Des agents du comité d'enquête étaient déjà sur place moins de 24 heures après la chute de l'avion. Aucune piste n'était jeudi matin privilégiée par les autorités russes.